Allez, de retour en direct pour ce marathon. J'ai mon petit bug comme d'habitude, c'est pas très grave. Je peux comprendre que Nanook venait de Up Challenger. Attends, j'ai envie de voir ça, moi. Fait plaisir. Bah non. Ah là, on lit toujours des bêtises sur l'IRC quand même. Allez, on va lancer une game. On est parti après ce Fiddlestick. Oui, bah on remonte, hein. On remonte, hein. Il n'y a pas de Fiora. Si vous avez compris le principe. Quand il y a eu un ban ou un pick, on revient au champion derrière. Donc le Fiddlestick ça a été fait parce que Evelynn était pick en face et Evelynn était ban et Ezreal était pick en face. Donc on va remonter maintenant et on va faire Evelynn Ezreal sur cette game là. Vu qu'on n'a pas pu les faire précédemment. Donc le Fiddlestick ça s'est plutôt bien passé. Et pour l'instant sur cette journée de marathon, on est sur une, deux, trois victoires consécutives. Et il nous reste potentiellement deux games. Donc on est vraiment pas mal. Allez, ça va être une Evelynn vu que je suis first pick. Qu'est-ce qui peut embêter Evelynn? Lee Sin, oh, même Lee Sin ça embête pas vraiment Evelynn. Quoique ça peut counter jungle. Tout ce qui counter jungle est problématique. Ou je peux la jouer mid aussi. Moi je vais mid. Alors, qu'est-ce qui se dit sur l'IRC de particulier? Oh mon Dieu. Fiora sera pour demain, je pense. On n'aura pas le temps d'arriver jusque-là aujourd'hui. Oh, j'aime bien leur composition pour l'instant. Ça devrait bien se passer pour moi et ma petite Kéviline. Ça je ferme, ça je ferme. Bon, en tout cas, merci à Cyanide et ses petits conseils sur Fiddlesticks qui m'ont été vraiment rentables. Parce que ça m'a permis de faire une très bonne game. Je vous invite à tester cette manière de le jouer. Il était contre Swaz et Pouzou en plus sur cette game. Il avait carry. Bon, est-ce que Rune et Maîtrise c'est bon? Non, c'est pas bon. Voilà, là, on est bon. Et là, on est bon. Là, si on avait eu un bon combo, chaîne top. Ah, mais il va se faire ouvrir par Vayne. Non, je vais rien dire. Je vais laisser lui ce qu'il veut. Si on a un chaîne top, déjà ça tient bien Riven une fois qu'il a sa Sunfire. Donc il doit juste jouer safe en early. Et le combo chaîne Evelynn est juste malade mental. Alors mes maîtrises sur Fiddle c'était du 0-9-21. Son fils, j'ai dit, son fiddle, je voulais dire. Attendez. Renekton, très bien. Franchement, on a des meilleures lanes. Sur toutes les lanes, on est au-dessus. Si le Udyr a envie de counter jungle, if you want counter jungle, I can follow you, Udyr. Ça reste un Maokai, c'est facile à counter. Et Evelynn c'est très mobile donc je vais essayer d'en profiter pour venir l'aider. IDD. Très bien, IDD.
devrait bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, mettre un petit like, hein. Je vous rappelle, il faut atteindre les 10K avant la fin du marathon pour que j'ouvre un petit. Je vais peut-être faire un petit concours à la fin. De toute façon, dans tous les cas, à la fin du marathon, je pense que je vais faire un concours pour fêter un petit peu cet event qui se passe bien, qui se passe vraiment bien. Je pensais qu'on allait avoir plus de mal à avoir les pics, etc., le poste, etc. En fin de compte, pour l'instant, on a nos problèmes. Après, on n'est pas allé dans les chemins assez risqués comme les Merdinger, les Timo. Mais on y arrivera, on y arrivera. N'hésitez pas à y lâcher un petit message ici, histoire de parler un petit peu du concept, etc. Des choses à améliorer, si vous voulez revoir le concept plus tard avec des modifications, si vous attendez des héros particuliers, etc. Là, je vous mets les replays. Il y aura ce soir les replays des 10 dernières games. Fail les maîtrises sur Fiddle, Narcus, le joue 21-9 et c'est son main. D'accord. Et alors? Je vois pas le rapport. Il peut jouer comme il veut. Il a le droit. Comme si Yannick le joue comme il veut et comme moi je le joue comme je veux. Chacun son style de jeu. Moi c'était vraiment beaucoup la mobilité. Mais Fiddle Sticks c'est assez statique. Et franchement je suis pas déçu. Si je devais rejouer Fiddle, je le rejouerais comme ça. Oula, j'allais prendre une machette. J'ai cru que j'étais jungle. On va sûrement faire un double voire triple Doran Zhonya sur la game avec Rabadon ou triple Zhonya, triple Zhonya, triple Doran Rabadon, triple Doran DFG, on verra. Je suis tout content d'être tombé quand tu joues et meurs. Il m'a vu. Il m'a vu. Ouh, t'as peur. C'est bon, je rigole, je rigole, je rigole. Elle a plus de pink en fait, donc là elle aurait pu très bien counter pick qui pink. Là il va avoir peur en plus de ça le Maokai. Voilà, très bien. Ça leur met une pression psychologique. Par contre, pourquoi ils sont pas sur le. Pourquoi Udyr et le rat était pas sur le buff? Vite que j'ai mon level 3. Dommage qu'il ait pas counter un peu jungle. Dire j'aurais pu suivre là. Vu que ça push très très vite la lane. Fuck. J'étais pas dans le bon angle. Décale aussi, chuchu. Non, mais pourquoi tu te montes avant que j'arrive? Fais genre, tu pars, fais genre, tu pars, t'as raison. Voilà, nice job. Oh là là! Oh là là, ce teamplay! Tellement bien joué! Le dire, il fait genre, il part, etc. Au moment de la ward.
Oh là là, tellement bien joué! On s'est croisés! This is my gang! Et je perds rien au mid, enfin très peu, vu que je vais réussir à revenir sur la lane au moment où ça push. Mouah, cette early game! Evelyn OP, les amis! Mokai qui arrive mid, il sait que j'ai pas de flash, faire gaffe, bud. Mao. Mao. And Harry. Pourquoi ils sont restés? Là, si je donne un kill à Harry, j'ai trop le seum parce que ça aurait trop gratuit. Franchement, je pouvais pas les avertir plus tôt quoi. Les mecs avaient vraiment 10 ans pour back. C'est juste Mokai qui récupère le kill. Mais bon. Cover l'allée. Mais ils auraient dû back direct quoi. Ça je comprends pas. C'est des erreurs. Des erreurs regrettables. On a la formation et on l'utilise pas. Tenter un truc top. Bah ouais, c'est wardé, ma vue. Laisse-moi juste prendre mon 6 fast et je me tire. Thank you. Oh shit. Viens m'aider bro. Tue là au moins Larry. Tue au moins Larry. Moi je meurs pas. Allez mec. Fais le taf gros. J'ai bait comme il fallait. Putain, y'a Riven qui arrive. Je sais pas où est Riven. Bien, le Renekton revient pour me cover. Ok, y a pas leur bleu. Maintenant, tu fais quoi hein? Tu flash, c'est ça? C'est facile d'attendre les petites Evelynes dans des bushs. Aucun de nous deux peut aller au mid. On a perdu une wave, mais bon, c'est pas très grave. On a le même farm, alors que moi je rame beaucoup. This
Vas-y, avance, avance, avance. Vas-y, go, mec. Y'a pas de flash. Renekton, il va encore rager parce que je lui prends son farm. Le pauvre. Mais je comprends pas, hein. Quand vous faites ça, allez-y direct, hein. Faut pas attendre ici comme il faisait lui dire, faut go 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 quoi, faut foncer. Moi je pouvais pas aller devant, sinon je serais allé, mais. C'est risqué pour moi de passer devant. Uchi 1-0-3, je viens de lui voler son blue buff, ça c'est nice, ça me met bien. Bon, je suis en train de prendre vraiment les bonnes décisions dans ce début de partie. Au top, normalement il est bien. Hein. Ok, bah vous le voyez, allez s'il vous plaît, réactivité cette fois-ci, réactivité, réactivité, pas comme tout à l'heure. Bien joué au top. Chatte, hein. Enfin, pas de la chatte, mais vous étiez bien placé. Non, plus de rec là. Faut que bot il fasse un peu plus attention. C'est la seule lane qui gank câble. Renekton, il est intuable actuellement. En tout cas, ils auront vraiment du mal. Parce que la Riven, elle a pas de dégâts. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont se prendre tous les gants au bot. C'était un bait. Non, normal, j'ai envie de dire. Bon, c'était un bait pour lui dire. Je ne pensais pas qu'il allait avoir Maokai. Vas-y, elle a plus rien. Non, tu l'auras pas. Fais gaffe jusqu'où tu vas. Hein. Bon là je farme moins depuis tout à l'heure. Ça va, elle farme pas non plus Larry, je sais pas ce qui se passe. Oh bah ok, il commence à faire de très bons ganks. Hein.
On l'a shut down. GG. Par contre, le Varus est mort, je sais pas pourquoi. Tiens, laisse-moi juste enlever la ward fast. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Larry, je crois qu'elle a eu un petit problème de connexion. Ah non, j'ai rien dit. Bon, très peu de farm pour le moment, 95 à 87. C'est pas la priorité de la game pour le... avec Evelyn. Faut vraiment que je roam. Je pense qu'il faut que j'aille un peu plus bot lane, galère. Oh, mais l'ennemi elle se place vraiment mal aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Maintenant je vais me prendre le gank. Bon, ok, il voulait gank bot, maintenant il va vouloir gank mid vu que bot ils ont. Oh, elle a pu ulti, ça c'est nice. En tout cas, j'ai presque pas d'XP. C'est aussi problématique ça. Là, il a eu entre guillemets peur pour rien. J'étais que level 10, elle était 11. J'ai pas un gros stuff. Heureusement qu'au top, il arrive à faire à snowball l'avantage qu'on lui a donné avec Udyr. Mais ça c'est à cause de leur premier gank hein. Le premier gank je les ping, ils se sont quand même fait tuer, c'est à cause de ça que Mokai peut autant faire la différence en bas. Qu'est-ce qu'il veut faire au mid lui? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Vous débattez sur quoi? Sur l'IRC, j'arrive pas à comprendre. Oh, t'abuses toi. T'es sérieuse là? Viens mettre ta pink ici. Vas-y, cours, bro. Oh, je meurs. Putain, la Lulu a carry quoi. Très belle ulti de la part de Lulu, très bon décal. Elle a bien anticipé l'action. Allez, le Twitch il récupère. Faut faire gaffe, il y a Varus derrière. Aïe aïe aïe. C'est d'avoir quelqu'un, de toute façon t'es mort. Ouais. Alors on débat sur le fait que tu es taxé du farm top et que c'est worth it ou non. Alors pourquoi j'ai pris du farm top? Parce que moi j'ai décal, donc je perds du temps de ma mid lane.
Et dans tous les cas, c'est rentabilisé parce que sinon je perds trop d'otards moi à avoir des caltops pour rien en gros. C'est pour ça que j'ai taxé, j'ai pris moitié d'XP avec lui, mais il a pas perdu d'XP, hein. Enfin, il a perdu. Tout a été partagé en deux. Ouais, fuck. Donc, non, non, c'était rien de bien méchant, vous inquiétez pas. À top elo, c'est totalement normal. Parce que aussi, il était deux, hein. Il y avait Maokai et Riven, donc lui perdait rien, strictement rien. Et moi, je perdais si je revenais sur ma midlane sans avoir pris mon level 6. Mais bon, c'est dur à comprendre, mais pas de quoi polémiquer. C'est pour ça que j'ai pas tenté de lui expliquer. En platine, c'est pas une chose qu'on comprend. Enfin, c'est compliqué à comprendre, quoi. Ça aurait pu me faire perdre ma lane, c'est double décal. Le premier, j'ai récupéré un kill, donc c'était rentable. Le deuxième, j'ai rien récupéré. Mais j'ai forcé l'arrivée de Maokai au top, donc c'était aussi rentable. C'est beaucoup plus technique que des simples sbires et des simples gold. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Dorénavant, on a pas en pression, hein. Maokai qui a fait de très très bons calls et leur botlane qui joue très très bien. Nous, on a un Renekton qui est feed, on a moi qui suis bien dans la game et je suis pas feed. Parce que niveau farm et XP, je suis un petit peu à la bourre. Faut tempo 30 secondes, wait. Blow. J'aurais dit wait blue, mais en fait c'était pour qu'il wait mon ulti. 13 secondes. Il faudrait go là. Oh oui, il est mis sur moi, il a fait une erreur, il aurait dû aller sur Twitch. Ouais. Compliqué. Leur frontline, elle a été plus solide que la nôtre. Parce que c'était leurs deux carry, hein. C'était Harry Varus contre Udyr Renekton et moi et Twitch contre Riven Maokai. Leur frontline, notre frontline a été un petit peu moins résistante que la leur. Mais bon, qui a eu le dragon? Ah, c'est dommage. Là, j'ai commencé à avoir de la paix. Je vais vendre une Doran, je vais faire mon Zonia. C'est un peu plus facile pour moi de rentrer dans le tas. Je commence à avoir un très bon stuff perso. Le Twitch aussi commence un petit peu à se feed et rattrape leur erreur de la lane. C'est pink ou quoi? Ouais, c'est pink à tous les coups. Ah, c'est que je peux pas acheter de pink moi. Dommage, j'avais pas mon ultimate, sinon il mourrait. C'est vraiment dommage parce que vous savez, le premier gang de Maokai, il a les deux premiers. Si ma botlane s'en serait sortie sans donner de kill, que ce soit au Varus ou au Maokai, on n'en serait pas là. Hein. Là, le Varus a des 6-0-4, 200 CS. Il va falloir que je lui saute dessus. Ah, Varus, il est chaud quoi. BT la Swisper. Peut-être faire un DFG hein, vu qu'il n'y a que lui qui est feed. Enfin, Larry aussi est pas mal maintenant. Elle a l'équivalent de mon stuff. Si ce n'est un peu plus.
Ça va être le moment de faire de bons team fight pour nous. On va pas avoir le droit à l'erreur. Vite lui. Putain, il a fait son item bizarre là. Item pour farm, j'appelle ça comme ça. Faut tenter hein, de toute façon là. Il nous faut juste faire un très bon teamfight, faut que le Twitch soit free. Bon, je farm bot. Non, ils vont pas baron, t'es sérieux là? Non, non, ils vont pas baron. Ils feintent de baron mais ils vont pas baron. Je push mid en attendant. Ils font ça parce qu'il y a beaucoup de farm au bot. Moi je vais pouvoir aller bot fast. Bah faut pas profiter de ça alors. Non il a pas d'écho. Il a fait un bait d'écho. Je suis très mobile moi. Est-ce qu'on a encore des wards? Ouais pas mal, on est bien, on est bien. Ouais parfait go. Twitch, 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 tu dois commencer à y aller hein. C'est moi qui suis censé être en retard, pas toi. Allez go les gars. Là c'est un bon team fight pour nous. Les gars, tuez. Allez, allez. Ah, avec le Varus, ah, le Varus est trop feed. On n'arrive pas à le one shot. Donc ça fait quoi, 3 pour 2. Vivement que j'ai mon DFG hein. Toujours un pro, toujours problématique d'avoir un carry à des feeds. Il commence à avoir un bon stuff le Twitch. Puis Twitch en late c'est vraiment monstrueux. Donc c'est pas perdu, ils ont pas fait le baron. Mais ils restent quand même vraiment devant. J'espère qu'ils ont pas fait mon bleu. Ah ouais merde, j'avais Zonia. C'est vrai, my bad. J'ai pas pensé à mon Zonia. Faut que j'essaye d'avoir y avoir cette tour bot. Sans qu'il fasse le baron bien évidemment. Je suis obligé de décaler dès qu'il... Oula. On a vu Varus là non? C'est quoi ce bug? Ah il est bot. Je crois qu'il me défonce en 1v1, j'ai envie de tenter. C'est bien ça si tu l'arrives un. Fidez moi le Twitch. Y'a pas Varus, y'a pas Varus. Novarus, go. Ok, bon en fait vous perdez quand même s'il n'y a pas Varus. La différence entre moi et Varus c'est que si Varus est hors du fight c'est grave pour eux. Si moi je suis hors du fight c'est pas très grave. Parce que leur principal vient du Varus mais en fin de compte je sais pas. J'ai l'impression qu'on perd quand même sans Varus. J'arrive. Faut se retourner les gars. Allez quoi. Ouais, on a pas de dégâts. On perd en 4v5 hein. Là je pense qu'on peut plus la gagner.
Si on perd ce fight là alors qu'il n'y avait pas le Varus, on peut pas la gagner. Ils ont peut-être trop de mobilité pour nos picks. Riven ça jump partout, Harry ça jump partout. Donc à mon avis Renekton et Udi ont pas réussi à les atteindre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont perdu le fight, j'ai pas regardé. Mais là ils ont beaucoup de gold d'avance. Peut-être qu'ils font baron. Ils peuvent hein, avec le Varus. Totalement feel. Bon il aura gagné un petit peu de temps le Twitch. Aïe aïe aïe. Bon là y'a plus d'objectif, plus de baron. Ah il a fait un runan le Varus. Ah le Varus problématique encore une fois. J'ai quand même envie de le 1v1, j'ai envie de tenter. De toute façon maintenant la game est entre guillemets perdue. À part des big plays de notre part ou une grosse temporisation. Donc tenter 1v1 contre Varus, je changerai strictement rien. Je pense que je peux. Il est level 18 aussi, c'est un truc de ouf. Tant qu'il reste bot, ils pourront pas push un inhib normalement. Ah il est parti se regrouper avec eux le Varus. Faut que je back moi aussi. Bon là y a pas de miracle hein. Faut qu'il fasse une grosse erreur. Sinon ce sera malheureusement la première défaite d'aujourd'hui. On peut pas gagner à tous les coups, et bon. Ça aurait été une bonne game quand même. Mais elle est pas terminée, le Nexus est encore en vie. Allez, je tempo l'ulti de Varus. Là j'ai bien tempo. Je tempo toute leur backline. Ah, malheureusement le Twitch est mort quand même, moi je mourrai pas. Là j'ai énormément bien joué. 2 pour 1, on tempo, on tempo. On gagne du temps. Il m'embête lui à toujours être bot quand je suis bot. Ah non c'est bon. Ouais pourquoi pas le bloquer. Allez le shutdown qui va être pour moi. Bien joué là, très bon call de la part du Renekton de bloquer le Varus. Eh comme quoi c'est pas fini hein. Les erreurs ils les font. Enfin on les provoque les erreurs. Juste dommage que le Twitch soit mort contre la rival. Là on l'avait bien cover, il avait juste à courir. Il a voulu se retourner pour taper, il avait pas besoin. Mais bon. Mais je pense pas qu'à tous les teamfights je pourrais faire ça, hein, faire claquer un ulti de Varus dans le vent. Ça va pas être si simple. J'ai mon DFG. Il y a toujours ce problème là d'avoir DFG Zonia. DFG 1, Zonia 2, DFG 1, Zonia 2, DFG 1, Zonia 2, DFG 1, Zonia 2, DFG 1, Zonia 2. C'est bon, ça rentre. Je vous ai dit en late game on est correct hein. Le problème c'est Maokai aussi qui est vraiment correct en late game. Mais bon Renekton et Riven vont s'essouffler. Va réussir le Twitch avec du 50-50. Arrive à s'essouffler. Moi normalement je reste correct même en late.
avec Evelyn. Puis après, Lunami, c'est pareil, c'est la même. Là, faut pas se faire catch. Ça, fallait pas faire ça. Oh, ouais, bon. Platinum Babies. Ah, il y avait nos raisons. Surtout que la Nami derrière se donne aussi, quoi. Lui dire, ok, il a fait check, il a fait son erreur. Mais Nami reste. Mais ton Nami, elle a fait ça depuis le début de la partie. Hein. Avec ça. Là, malheureusement, on va perdre un inhib. Oh, il a tenté de go. Tant de tempo du. D'un peu de temps, mais. Putain, on a fait mal quand même, hein. On a fait très mal alors qu'on était que 3. N'y va pas, n'y va pas. Vous avez vu, on peut la gagner la game. Faut vraiment qu'ils arrêtent de suicide comme ça, hein. Inutilement. Faut juste tempo là. Par contre, le Twitch commence à faire mal et ça fait kiffer. Mais je pense que la Nami, c'est pas un joueur de support. Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous, hein, dans la game. En termes de niveau sur son héros. Il est un tout petit peu en dessous que les autres. Les erreurs majoritaires en lane sont venues de lui. Et là, on l'a encore vu. Ah, le Twitch, faut pas qu'il meure. Il y a une Riven derrière. Faut essayer de limiter les cadavres. Bon, cette fois-ci, l'inhibe va vraiment le perdre. Quoique. Putain, mais je tempo comme je peux, mais je peux rien faire de plus, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? S'ils ont pas envie de gagner avec moi, on gagnera pas, malheureusement. Pas trop la game, on est derrière depuis tout à l'heure, il a totalement raison. Le Renekton, la Nami, elle est un petit peu out. Faut juste tenter un bon 5v5 au Nashor, proprement. On verra ce que ça donne. Allez, go. Les gars, faut être pas catch. Il y a un GA sur le Varus. Ouais, là j'ai bien tempo encore une fois. Le problème c'est que là maintenant ils vont envoyer leur sauce à eux. Protéger le Twitch comme on peut. Ouais, on a pas assez de dégâts. Là c'est juste les golds qui font la différence. Sur full ville, Varus. C'est quoi, je vais grid. On a rien à perdre. Elle où la Harry? Harry, t'es morte. Vas-y, toi, tu vas avancer. Ah non!
Oh, le réflexe qu'elle a eu! Ah putain, heureusement je la tue quand même, mais je suis dégoûté. Je peux pas la carry, pourtant je donne tout. Si seulement il n'était pas 50-0 le Varus, j'aurais tellement carry cette game. Oh. Ce premier gank du Maokai a fait la diff, vraiment. Je le ping, le Maokai était là, je le ping. Il a le temps d'arriver là, ils l'ont pas vu quoi. Pourtant je ping, comme moi quand je ping, ça ping. Hein. Ils sont restés, la Nami, enfin, donner un kill qui a permis au Varus de snowball quoi. Oh non, sans ce move, vous enlevez juste ce move. Hein. Et on gagnait la game. Je suis sûr à 100%. Au moins je m'éclate là, le move avec Larry ça m'a vraiment amusé. Je kiffe. Très bien joué de sa part, très beau réflexe. Pourtant j'ai bien attendu la petite fin de son bac. Jusqu'à la fin de toute façon. Non, oh, ils vont faire le free baron quoi. Sniff. Bon, au moins on aura pu voir vraiment les compétences de Yveline, hein. Les décals, etc. Là, juste malheureusement, c'est la botlane qui a pas tenu. Mais la prestation avec Yveline était correcte. Non, le baron est mort, on peut pas le défendre. On a trop d'inhibiteurs perdus. Faut défendre dans la ball. Pourquoi il se fait tout le tour? Tout le temps 4, elle. Vite fait chercher mes homeguards. En espérant qu'il n'y ait pas de mort. Ça tient pas, non, ça tient pas. En fait, il meurt trop pour rien, des mauvais timings. GG à eux, ils ont vraiment mieux joué que nous. Dommage pour celle-là, première défaite de la journée. Mais elle était marrante cette game, j'ai bien aimé. Il y a eu des moves sympathiques. Ouais, le Varus qui était vraiment incontrôlable, hein. D'ailleurs, il a fait Runan. Je suis pas très fan moi de cet item, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, j'aurais plus eu un, je sais pas, un static shiv ou autre chose à la place de ça. Je connais pas le prix de cet item. Bon, malheureusement, c'est loose pour la Evelyne. Hop. Quelle heure est-il? 19h30. Ouais, on n'aura pas le temps d'en relancer une. À chaque fois que je dépasse, en plus c'est encore Twix derrière, donc je vais encore dépasser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des 1v1 pour finir. On va faire des 1v1, allez. Ou alors si on lance vite pour Ezreal, je pense qu'on a le temps. h 30 20, ça fait 25 minutes de game, il faut. Bon, je vais voir avec Twitch, je mets une petite courte page de pub et je reviens juste après pour savoir si on relance ou pas. A tout de suite.